Ce qu'il y a d'intéressant à comprendre à travers cette photo, c'est qu'en 2015, quand il était dans cet état-là, comme pour beaucoup de personnes qui sont en surpoids, ont constamment le doute de « impossible, j'ai pas d'abdos, j'ai pas de veines, j'ai pas de pec, j'ai le corps le plus pourri du monde ». Parce qu'on a une mauvaise estime de soi quand on est dans un état comme celui-là en 2015. Et là, en 2017, ben, il réalise qu'au fait, il avait les pecs, il avait les veines et il avait les abdos. Et du coup, en n'ayant pas cru à ce qu'il pouvait devenir et qu'il avait juste à être patient, se laisser aller comme ça en 2015 a fait cet effet-là en 2017. Parce que l'élasticité de sa peau n'a pas pu suivre. Mais je le dis encore une fois, c'est pas parce qu'il y en a plein d'entre vous, vous avez trois chiffres sur la balance, que c'est pas réparable. Il y en a, vous aurez toujours une bonne élasticité de peau, vous n'aurez pas besoin de faire d'opération. C'est juste que là, actuellement, dans l'état dans lequel vous êtes, vous avez une mauvaise opinion de vous-même. Et vous vous dites, non, c'est mort, j'ai pris 15 kilos, j'en reprends encore 5. Ça doit vous alarmer, que tu sois en bonne santé ou pas, quand tu prends déjà 2 kilos, ça doit t'alarmer. Et tout ça, c'est à cause de toutes ces personnes autour de vous, que quand vous prenez 3 kilos, vous dites, mais non, c'est rien, mais non, ça va aller. C'est à cause de tous ces conseils-là, tout ce laxisme-là, à la finale, c'est qui le paye? C'est vous. Et je sais que beaucoup se reconnaissent dans mes propos. En 2015, il ne pensait pas qu'en 2007, il allait voir tout ça. Donc, ne désespérez pas. Il n'y a que des humains. Il n'y a pas de surhumains. Pour moi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le terme génétique, on commence à l'employer avec une personne quand cette personne, elle va faire de la compétition. Oui. Au niveau de ses insertions musculaires. Là, on rentre dans un truc plus précis par rapport à ça, pour dire, voilà, ouais, non, toi, t'es comme ça, lui, il a ces insertions-là. Là, je parle pour le haut niveau. Mais pour des personnes lambda comme nous, qu'on veut juste avoir un physique esthétique normal, on peut tous avoir des abdos, on peut tous avoir des pecs, c'est normal. Méditez bien sur ce que je vous dis. On essaye trop de vous faire croire que vous avez des corps de merde et que vous n'êtes pas les plus gâtés. Dieu, il a gâté tout le monde. C'est nous qu'on a craché sur ce qu'il nous a donné. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker à la cloche. On s'accroche.